Les Indiens qu'on a trouvés dans une maison en train d'acheter les diamants du côté stade de Kachalabonzo, juste à côté de l'Assemblée provinciale du Kasaï. Parce qu'ils achètent les diamants dans la fraude. Alors comme nous travaillons dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qui lutte contre la fraude dans le secteur des mines, ensemble avec son Excellence Madame la Ministre nationale Antoinette Nsamba Kadambaye. Ils sont contre la fraude minière. C'est ainsi que nous avons mis la main sur ces Indiens qui étaient en train d'acheter le diamant dans une maison à côté de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental. Le code minier. Le code minier. Oui, effectivement. Il s'agit des achats illicites dans le secteur des mines. C'est punissable par la loi. Je vous amène à la disposition du code minier. Vous pouvez lire, lorsque quelqu'un achète des diamants illicitement, il y a les sanctions qui sont prévues dans le code minier. Et j'espère que nous allons appliquer le code minier pour que nos amis soient sanctionnés. Et ça sera un exemple pour les autres. Et ils sont accompagnés toujours de nos frères congolais. Ils ne viennent pas seuls. C'est toujours nos frères congolais qui sont diamanteurs sur la ville qui amènent ces gens ici. Et c'est tout un groupe là de malfrats tel que vous le constatez là. Ils sont à quatre en train d'acheter les diamants avec des balances dans une des maisons. En tout cas, c'est punissable par la loi. Il n'y a pas seulement la police. J'espère qu'il y a autant de services qui sont intervenus. Il y a nos amis de CEC. Il y a l'antifraude, il y a aussi la police qui nous a accompagnés pour mettre la main sur ces malfrats ici.